Bonjour à tous. Petit conseil de lecture en ces temps confinés. Si l'enfermement éveille en vous des pulsions d'une rare violence, précommandez à la géosphère ou dans votre librairie préférée, Ténèbres, de Paul Cuxhaven. Parce que ce livre, c'est une véritable catharsis. Parce que la violence qui émane de ce texte exerce sur l'esprit quelque chose de morbide, de sublime et de complètement exalté. Enfin, parce que l'avoir entre les mains, c'est dévorer un Tarantino, écrit d'une plume de maître. Ténèbres, c'est donc l'histoire d'une découpe. En 1886, le jeune géomètre belge Pierre Claës est chargé de tracer la frontière nord du Congo. Au fur et à mesure que son expédition remonte les rives du fleuve, Pierre ouvre ses yeux naïfs sur la réalité colonialiste. Il rencontre en chemin Xixiao, un mystérieux bourreau et tatoueur chinois, capable d'extraire un à un les organes de ses victimes, parfois volontaires, en leur faisant atteindre l'orgasme juste avant leur mort. Roman fait de chair et de sang, Ténèbres est traversé de fièvres hallucinatoires et baigne d'une indicible poésie. Les corps sont violés, dépecés, évidés, comme cette Afrique éternelle torturée par ses parasites coloniaux. Et de ces immondices macabres et sanguinolentes surgit soudain la beauté virginale, la délicatesse sublime et l'amour éblouissant. Ténèbres de Paul Cuxhaven, paru aux éditions La Peuplade. Si votre cœur est bien accroché, c'est un véritable voyage transcendantal.